Ça va, Faustine? Oui, ça va. Tranquillement? Oui. Règle déjà le siège en hauteur. Il ouais, faut mettre la ceinture avant. Ça va? Oui, ça va. Motivé? Oui. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Elle est anxieuse là, ça se voit. Non, même pas. Ça va? Bon, on va démarrer tranquillement. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a vu la dernière fois. Mm-hmm. D'accord? On va essayer de se refaire quelques demi-tours. Ouais. D'accord? On va pas en faire des tonnes, mais on va essayer d'en faire quelques-uns. Et puis, on va rouler tranquillement ensemble. Ok. Ok. On va sortir tranquillement, on va mettre en route le moteur, donc on va tourner la clé. On va mettre la une. Non, faut appuyer sur... On respire. Et on enlève... Non, on enlève le frein à main. On va juste se concentrer sur ce que moi je te demande, d'accord? Voilà. Enlève ton frein à main complètement. Là, il n'est pas enlevé complètement, tu vois, tu as encore un voyant sur le tableau de bord. Faut le descendre à fond. En tenant le bouton. Voilà, là le voyant il est enlevé. Pour démarrer, on va lever l'embrayage tranquillement au point de patinage et on le tient bien et on va partir à gauche. On le tient bien, j'ai pas dit on accélère. Regarde où tu vas. Voilà. Et on redresse. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter au stop là-bas. On va tranquillement s'arrêter, on va prendre l'embrayage. Prendre l'embrayage maintenant à fond. Et freiner tranquillement. Ok? Pour redémarrer, on va partir à droite. On va mettre le clignotant droite. On va le faire juste à l'embrayage. On va lever tranquillement et bien tenir l'embrayage dès que ça avance. Et regarde où tu vas. Allez, vas-y, tranquillement. Et on tourne tout. Et on redresse. On accélère. On accélère encore. Et tranquillement... On va mettre la 2. Allez, il va falloir accélérer un petit peu plus. Encore, encore, encore. Et on va mettre la 3. Voilà, on fait attention à sa trajectoire, à ne pas venir trop proche du trottoir. Et là, il y a un giratoire, au loin, on va aller tout droit. On va freiner légèrement et mettre la deuxième. Ne serre pas à droite. Mets la 2 et on relâche l'embrayage. On va tout droit, on accélère un tout petit peu. Et on va rester voie droite dans le giratoire. Et on y va. On tourne. Et on retourne tranquillement. Voilà, super. Et on va là. Encore. Et on accélère tranquillement. Allez, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et tranquillement, on va mettre la 3. On relâche doucement. Et on accélère tranquillement. On respire, on n'oublie pas, on va freiner légèrement, tout doucement, et en freinant, on va mettre la deuxième. On relâche tout doucement l'embrayage, on lâche le frein et on va tout droit. Voilà, on va en face, on reste voie de droite, et on regarde en face. On va prendre la sortie tranquillement, en accélérant légèrement. Et de plus en plus, allez, de plus en plus, encore, 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 et on met la 3. Voilà. Ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on prendra la deuxième sortie. Déjà, il y a un giratoire, on va freiner légèrement et on va remettre la deuxième. On relâche tout doucement l'embrayage et on lâche le frein. On réaccélère doucement, on lâche l'accélérateur et on va prendre tout droit. Hop, on va rester voie droite, voilà, et on va en face. Allez, on tourne et on retourne pour sortir maintenant. Et on réaccélère.
Vraiment, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Allez, encore, 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 encore. Allez, maintenant. Et on met la 3. On relâche. Ça sert pas trop à droite. On freine doucement et on va remettre la 2. Attention, tu es trop à droite. Freine doucement et remets la 2. On relâche doucement. Et on réaccélère tranquillement. On réaccélère. Encore. Et on va mettre la 3. Ok. On va freiner doucement. Et on remet la deuxième. On relâche tout doucement. Et on repart. On lâche l'accélérateur. On va tout droit, on reste voie de droite. Allez, reste voie de droite, encore. Et on va en face. On réaccélère doucement. Hop, reste à droite, voilà. Et on va prendre la sortie. Encore, encore, encore. Pas plus. Voilà, super. Et on réaccélère. Vraiment, 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 vraiment. Allez, faut accélérer. Et mettre la 3. Ok. On va changer de voie pour aller à gauche, intérieur, extérieur, angle mort gauche, tu te souviens où il est? Voilà. Et on change de voie doucement, tranquille, tranquille. On va freiner légèrement, rester à gauche, ce serait bien, et on va mettre la 2. On relâche tout doucement l'embrayage, sans lâcher le frein. On freine un peu plus, on reste à gauche, vraiment à gauche. Voilà. Et on va à gauche. Vas-y, on peut y aller. Hop, on reste voie de gauche et je te dirai c'est quelle sortie. Réaccélère un peu. Voilà. Et on va prendre la sortie. On va par là. On réaccélère doucement. Et de plus en plus et on va mettre la 3. On va revenir à droite pour ne pas gêner l'ambulance. Angle mort droite, clignotant droite et on revient à droite. Doucement, doucement. On freine. Non, mais doucement quand tu reviens. Ah oui. Voilà. On réaccélère. T'es trop à droite. Regarde où t'es placé là. Voilà. Faut pas que tu viennes plus. Ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on ira à droite. Maintenant, on va contrôler intérieur, extérieur et mettre notre clignotant à droite. On va freiner légèrement. Freiner légèrement et remettre la 2. Il était déjà mis, c'est pour ça que tu n'arrivais pas à le mettre. Mets la 2. On relâche l'embrayage et on y va. Regarde où tu vas. Allez, lâche le frein. Voilà. Retourne. Et on réaccélère tranquillement. Allez, on accélère. On accélère. Allez, de plus en plus. Vraiment, là, on va monter à 40 avant de mettre la 3. Hop, on va attendre la ligne droite. On continue à accélérer. Et on met la 3. On relâche. On va freiner tout doucement. Voilà. On garde le pied sur le frein, comme ça, on laisse glisser. Et on ira tout droit en freinant un peu plus. On freine un peu plus. Encore un peu. Encore du frein. Et on met la 2. En freinant un peu plus. On relâche l'embrayage. Et on lâche le frein. C'est pas la 2. On remet la 2. Allez, mets la 2 tout de suite. On relâche. Allez, on y va. Allez, lâche le frein, s'il te plaît. Et on sort là. Ok. Donc là, sur cette route, il y a pas mal de changements de trajectoire. On va juste se faire un aller. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois à peu près au milieu de ta voie, mais que tu viennes pas proche du trottoir. Surtout. D'accord? Parce que la dernière fois, souvent, je reprenais le volant parce qu'on commençait à être trop proche. Un chat? Ouais, il y a un chat. Allez, on peut réaccélérer un peu. Allez, on en profite pour accélérer un petit peu. S'il te plaît. Ok, on va gérer notre trajectoire. Elle est anxiogène cette route pour toi. Hein. Ouais, on commence à être proche.
Non, mais c'est pas grave. Allez. Là, on va pouvoir accélérer pour mettre la 3. Pour mettre la 3? Bah, je sais pas si je te le demande. À ton avis? Et on ira à droite à la prochaine. On contrôle, on indique, on freine dès maintenant. Allez, faut freiner. Faut freiner encore. Encore. Encore, encore, encore. Et on met la 2. Trajectoire. Voilà. Et on va à droite. Par là. On va y aller tranquillement, on le fait ensemble. Et on réaccélère. On lâche l'accélérateur. Et on va tout droit. Voilà, trop serre pas plus. Suis la trajectoire. Encore. Et on continue. On va s'écarter un tout petit peu, super, et revenir. On lâche l'accélérateur doucement, doucement, doucement. Et on suit la trajectoire. Pas trop tôt, mais vraiment. Et on va tout droit. Donc là, on va gérer l'arrêt au stop. Tu sais comment on fait. Donc, on va pas prendre l'embrayage trop tôt, serre un peu à droite quand même. Voilà. Donc freine pas plus. Là on va prendre freine pas plus, prends l'embrayage et viens t'arrêter à la ligne de stop. On va mettre la 1 et on va redémarrer en essayant de reculer le moins possible. Donc on accélère, on lève l'embrayage. Si tu lèves pas l'embrayage, tu vas avoir un souci. Non, voilà, lève ton embrayage au point de patinage, lâche le frein, accélère. Et on repart. On se replace à droite. Allez, tout de suite. Non, j'ai pas dit on accélère, j'ai dit on se replace à droite. Vraiment. Voilà. Parce que là, pour les croisés, tu es obligé de rouler dans la bande cyclable. Et on met la 2. On va mettre le clignotant, on va contrôler, mettre le clignotant et se déporter. Et se déporter. Allez, maintenant. On lâche l'accélérateur et on revient. On réaccélère doucement. On enlève le clignotant. À la prochaine, bah, on va devoir se déporter. On recommence, même processus. Et on s'écarte doucement. Allez, on s'écarte. Et on va continuer tout droit pour le moment. Donc on va revenir voie de droite. Et même rouler dans la bande cyclable, parce que pour croiser le véhicule en face, sinon c'est pas possible. On va tout droit, et à la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, on contrôle et on indique. Et on va venir gérer notre arrêt au stop. Freine pas trop fort. Voilà, garde le frein tranquille. On va reprendre l'embrayage et gérer notre arrêt à la ligne, en freinant un peu plus. Eh, il faut du frein. Voilà. Et on va remettre la 1. Et même processus, je veux pas qu'on recule, on va lever l'embrayage au point de patinage, lâcher le frein et tenir l'embrayage tranquillement, avancer doucement et tourner. J'ai dit tenir l'embrayage, elle me l'a pas tenu. Et on redresse, on redresse, on redresse. Allez,
Faut que... Allez, 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 encore. 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 Et on redresse. Tu vois, tu te déstabilises vite. On met la 2. J'ai dit, elle m'a pas tenu l'embrayage et du coup, elle a oublié de faire le reste. On respire, c'est pas grave. Hein. Et tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, tu vas rencontrer un souci et tout de suite, tu vas déconnecter du reste. D'accord? C'est pas grave. De toute façon, je suis là pour ça. Hein. Ok? Et on va s'écarter doucement et on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. On freine doucement, freine encore un peu. On regarde où on va et on va vraiment tourner le volant. Allez, encore. Voilà. On va s'arrêter à droite, freiner tranquillement, prendre l'embrayage et s'arrêter. On s'arrête complètement. Point mort et frein à main. Voilà. Ouais, tire-le. Juste tire. Non, sans le bouton. Voilà. C'est bon ? Ce qui est rigolo, c'est que dans l'absolu, tu vois, ça fait un petit moment qu'on travaille, que somme toute, c'est pas parfait, mais que tu vois, quand je te guide, quand je t'aide, t'arrives à faire les choses, même si c'est pas tout le temps nickel, qu'il faut que je t'aide sur la trajectoire, mais ça, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais dès que tu vas faire une boulette maintenant, tu commences à te dire, bah, j'y arrive pas. J'ai tort ou pas? Ouais. J'ai tort? Non. Non, j'ai pas tort. Et en fait, vraiment, ce qui est drôle, c'est que dans l'absolu, depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à conduire, il y a plein de trucs que tu fais toute seule. Tu passes les vitesses, je te dis ce qu'il faut faire, mais somme toute, juste le fait que je le dise, t'es capable de le faire. Tu vois? Tout ça, c'est des choses que tu arrives à faire. Freiner, rétrograder, passer les vitesses, tourner le volant et tout. Et à un moment, tu fais une boulette et tu dis, je vais jamais y arriver. Ça se sent, hein, ça se voit même sur ton visage que tu es sur le point où tu te dis, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça y est, j'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on sent, mais je le sentais déjà l'heure d'avant, que tu es en train de te dire, je vais jamais y arriver. Moi, je pense le contraire. Moi, je pense que tu es capable, qu'on va mettre, certes, plus de temps que pour certains, mais je te rassure, hein, moins que pour d'autres. D'accord? Le seul truc, c'est que plus tu seras positive là-dedans, plus on va évoluer rapidement. Donc, arrête d'être dans le négatif à te dire « ça, j'ai pas réussi ». Ou sois-le positivement. C'est-à-dire, j'ai pas réussi, la prochaine fois qu'on va passer là, je vais faire mieux. Et c'est l'état d'esprit que tu avais depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, je te ramène à l'endroit où ça a coincé la dernière fois. Le but, c'est que petit à petit, ça passe de mieux en mieux. Et surtout pas, tu vois, je t'ai dit, on lâche l'embrayage, on tient l'embrayage, tu l'as lâché. Et en fait, je t'ai dit, bon, moi, je voulais pas que tu le lâches, mais c'était pas grave. Et puis d'un coup, en fait, tu n'es plus là et je te dis, redresse le volant. C'est pas grave en soi. Mais juste, hop, on se reconcentre et on repart sur notre truc. D'accord? Mais reste dans une attitude positive à te dire, bon, je fais des erreurs, c'est pas grave, mais je vais évoluer. Je vais faire mieux le coup d'après. D'accord? On va se refaire quelques demi-tours, un ou deux. Je te montre une fois, moi, ce que je veux. Et après, tu le fais toi. Et après, je te montre le passage que je veux. Là, le passage qu'on va faire. Et après, toi, tu vas le faire. Okay. D'accord? Mais le but, c'est vraiment pas que tu y arrives parfaitement. C'est juste que tu vas le faire mal, puis tu vas le faire moins mal, puis tu vas le faire moins mal, puis tu vas le faire presque bien, puis tu vas le faire bien. Le but, c'est pas que tu le fasses bien du premier coup. Et la dernière fois, c'est ce que je te disais. Je te dis, mais toi, tu te fies sur ton échec. Mais quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a échoué avant. D'accord? Ok? Je te montre le demi-tour, ce que je veux. Et après, on se fait ça ensemble. D'accord? Mais c'est quelque chose, la conduite, qui demande beaucoup de concentration.
Donc c'est normal qu'au bout d'un moment tu décroches, il n'y a rien d'anormal. Hein. D'accord? Vas-y. J'ai confiance en lui, mais je suis pas sûr que je vais y arriver. Hein. Je me trompe? Je sais pas. Mais si, tu vas y arriver. Regarde, je contrôle l'intérieur, extérieur, gauche, clignote en gauche. Regarde là. Doucement la lueur. Et lui, je le tiens. J'y touche plus. Je tourne tout. Ça va pas assez vite, je relève un peu. Ça va trop vite, je rappuie. Mais je veux une allure toute douce. Je veux pas d'allure. Voilà, on vient tout doucement et on le touche. Ok? À droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Clignote en droite. Marche arrière. Tout doucement l'allure. Je me préoccupe même pas du volant pour le moment. Lui, je le garde. Et je tourne tout. Ça va trop vite, je rappuie. Tu vois, je m'en fous que ce soit lent. Je veux que ce soit bien. Je veux que ce soit safe. Et ça, tu es capable de me le faire. Tu vois? D'aller lentement et de me le faire bien. Je mets la première. À droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Doucement l'allure. J'ai mon allure. Vite le volant. Tu vois? Je décompose. Vraiment. Au maximum. Pas de précipitation. Dans la précipitation, bah c'est galère. Et puis généralement, on fait pas de bonnes choses. Ok? Je la vois, je te vois dépité. On n'a même pas commencé l'exercice. Que t'es déjà. Que t'es déjà à te dire. Non, mais ça, on l'a fait la dernière fois. Oh, c'est... Ce fut une galère. C'est pas vrai? Ce truc là, demi-tour là. Mais en fait, quel est l'intérêt du demi-tour? En fait, le demi-tour il va être super important, notamment pour la phase où tu as peiné avec le stop. Parce qu'en fait, la voiture, elle avait trop d'allure. Du coup, tu as galéré sur le volant. Et moi, j'ai repris les commandes pour ralentir la voiture pour que tu puisses reprendre le volant. Le but de cet exercice, c'est ça. C'est que tu as une allure douce, que tu n'es plus qu'à gérer ton volant tranquillement. Et quand tu as redressé tes roues, tac, tu peux repartir. En fait, le but, c'est que tu as appris à contrôler la voiture à allure très lente. Donc, je sais que c'est une galère. Mais si tu arrives l'exercice que je te fais faire là, le stop qu'on a fait tout à l'heure, il va devenir hyper simple. Mais le but, c'est pas que tu y arrives parfaitement. C'est que tu y arrives moins mal que la dernière fois. D'accord? Mais déjà, c'est un point positif de se dire, ça, j'y arrive pas. Mais en fait, faut pas que ce soit dans le sens péjoratif. On essaye, on le fait ensemble. Mets la une. Elle a vraiment pas envie. Hein, prenons l'embrayage, s'il te plaît. Ouais, j'ai vu. On se le fait deux fois. Que deux? Que deux. Peut-être trois parce que ça nous fera repartir dans le bon sens. Vas-y. Bah, tu le feras. Déjà, aie confiance en moi. Okay. On respire. On tient le volant. Tiens ton volant. Clignotant gauche, on contrôle et on met le clignotant. On lève l'embrayage tout doucement. Hop, on le tient. On tourne tout. Tiens-le, l'embrayage. Voilà. On garde comme ça. On le tient. On rappuie sur l'embrayage à fond. Et on freine tout doucement. Point mort. On respire. On met la marche arrière. On contrôle des deux côtés. Clignotant. On recule tout doucement. Lâche le frein. Lève l'embrayage et on le tient bien. Juste l'allure. Et on le tient comme ça. On tourne tout à droite. Tout à droite. On reprend l'embrayage. Reprends-le. Et on freine. Tout doux. On remet la une. On rappuie à fond. Voilà. On contrôle des deux côtés. On met le clignotant gauche. Que l'allure. On tient bien l'embrayage. Et on tourne tout.
On redresse tranquillement. On redresse tes roues. Tes roues, tes roues. Allez, 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 allez encore. Comme ça? Ouais, mais on regarde où tu vas. Là, tu regardais le volant. Mais c'était ça. Ah, c'était ça? Oui, mais ah. En regardant dehors. Là, tu regardais le volant. Oui. Tu me laisses tout? Oui. En fait, le but, c'est de revenir dans sa voie. D'accord? Mm-hmm. On se le refait une fois? Alors, est-ce qu'il était catastrophique, ton demi-tour? Je sais pas. En fait, elle n'ose pas me dire. Non, il était bien. C'est ça que je voulais. Non, mais j'ose pas, c'est juste que je sais pas. Et t'as l'impression que t'as galéré? Le but, à ton avis, c'est de le faire vite? Non. Le but, c'est de le faire... Lentement. Non, le but, c'est de le faire... Bien. Bien, c'est tout. L'allure, que ce soit lent ou rapide, on s'en fout. Je veux que ce soit bien fait. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus simple de le faire bien si on le fait tranquillement et lentement, à ton rythme. Mm-hmm. D'accord? On reprend l'embrayage et on se le refait une fois ensemble. On contrôle intérieur-extérieur clignotant. Tout doucement l'allure. Et on tient bien l'embrayage. Voilà, on le tient, on ne lâche plus. On tourne tout. Si ça va trop vite, on rappuie à fond sur l'embrayage. On rappuie un peu. Rappuie encore à fond. Et on freine. On freine. Point mort. À fond l'embrayage. Marche arrière. On contrôle des deux côtés, on met le clignotant. Tout doucement l'allure. Lâche le frein, ce sera mieux. Et on tient bien l'embrayage. On ne lâche plus. On tourne tout. On tourne tout. Rappuie. Tourne tout. Et on freine. On freine. Point mort. À fond l'embrayage. Et première. Clignotant. Clignotant. Et on contrôle des deux côtés. Tout doucement l'allure. Et on tient bien l'embrayage et on tourne tout. On tourne tout. Vraiment tout. Tout, 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 tout. Et on redresse. Maintenant. Ok ? On va freiner et s'arrêter. On se le refait une dernière fois. C'est vraiment pour être dans le bon sens. Je t'avais dit deux, peut-être trois pour être dans le bon sens pour repartir. Ouais, je sais que t'as pas envie. Hein ? Oh, je t'avais dit, hein. Ouais, je veux bien l'embrayage, s'il te plaît. Tout doucement l'allure. Et on tient à fou. On tient vraiment l'embrayage. Voilà. Et on tourne tout. Voilà, on lève un tout petit peu et on rappuie à fond. Voilà. Et on rappuie vraiment dessus, sur l'embrayage. Et on freine léger. On freine. Voilà. Pour éviter de rentrer dans le portail, ça m'arrangerait. Marche arrière. Clignotant. On recule doucement. Tout doucement. Et on tourne tout. Et on tourne tout. Encore. On reprend l'embrayage. À fond. Et on freine. On freine. On met la une. Clignotant gauche. On regarde des deux côtés et on tourne tout. On reprend l'embrayage et on redresse. Maintenant, redresse vraiment. Et on s'arrête à droite. On s'arrête. Point mort. Frein à main. Check. C'était ouais, bien bof. Ça. Mais si, c'était pas bof, c'était bien. C'était pas parfait. C'est moi, je te guide pour le faire. Mais déjà, mécaniquement, ça commence à être fait. Mm-hmm. D'accord? Arrête de ne pas croire en toi. T'as le droit de tomber. Mais t'as pas le droit de pas te relever. Tu vois la nuance? Mm-hmm. On remet la une et puis on va faire autre chose. Bah, que tu crois. Parce que techniquement, ce qu'on va faire, quoi? Ça va faire travailler ce qu'on vient de faire. Oh.
Allez, on... Moi, j'ai pas de compassion. Allez, on enlève le frein à main. S'il te plaît, allez. Ah bah j'ai vu. Allez, on essaye d'y aller. Oh là là. Et on va à droite. Intérieur, extérieur, clignotant. Alors on va rester en une et on regarde où on va et on gère la trajectoire. Simplement. Alors pas trop tôt, parce que sinon voilà, l'arrière il monte sur le trottoir, t'as compris. Et on redresse. Et on raccélère. Allez, on accélère et puis on va mettre la 2. On va mettre la 2. Allez, on accélère tranquillement. On va rester à droite. Et on reste à droite. Voilà. Voilà. On accélère. On accélère encore, 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 encore. Et on met la 3. Voilà. En lâchant l'accélérateur, et ce sera parfait. Oula. T'as accéléré en fait avant de lâcher l'embrayage. On va se déporter clignotant et on se déporte vraiment. On ira à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. On freine tranquillement et on met la 2 maintenant. Maintenant. On relâche l'embrayage et on... Non, bah relâche pas l'embrayage, c'est pas la 2. Hop, on gère... Non, non, mais gère ton arrêt. C'est pas la 2, c'est la 4 en fait que t'as mis. On s'en fout. D'accord. Ce qu'on va faire, on va faire un truc. Radosse un peu ton dossier. Non, ça c'est pas ça que je t'ai demandé. Ah oui, effectivement. Oui. Non, pas redresse, radosse-le un peu vers l'arrière. Non, 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 non. Ouais, encore un peu. Voilà, stop. Rappuie. Tends tes bras à côté du volant. À côté du volant. Ouais, c'est pas mal. En fait, pourquoi je t'ai fait radosser? Parce qu'en fait, t'es gêné par ça. Vas-y, mets la 2. C'est mieux? Ouais. On met la 1. On va partir à droite. C'est le même exercice que pour le demi-tour. Okay. On n'accélère pas, on lève l'embrayage au point de patinage, on regarde où on va, on tient bien le volant jusqu'à ce qu'on ait redressé nos roues. Okay. On tient bien l'embrayage jusqu'à ce qu'on ait tourné et redressé nos roues, c'est ça que je voulais dire. Au point de patinage. Mmh. On lâche le frein. On démarre tranquillement au point de patinage. Hop, je vais arrêter la voiture. C'est mon problème, ça. Alors, garde l'embrayage. Et on recommence. Même exercice. On lève. On regarde où on va. On tourne tout. On relève doucement. Et on redresse. Allez. Et t'as géré. Et l'allure. Et la trajectoire. T'as compris? Le but de l'exercice précédent? On va s'arrêter au stop. Je ne fais même pas mettre la 2, on s'en fout, on va gérer notre arrêt en prenant, serre pas à droite, en prenant l'embrayage et en freinant légèrement. On garde le frein, on va partir à droite. Même exercice. On lève l'embrayage au point de patinage et on le tient bien. Allez, on y va. Lève l'embrayage. Lève, 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 lève. Et on le tient dès que ça avance. Hop. On va laisser passer les voitures. C'est surtout qu'il y en a une à gauche en plus. Allez, on y va. En tenant bien. Et on gère notre trajectoire. Allez. Et on regarde où on va. On accélère. On accélère. Et on met la 2. T'as pas l'impression d'avoir moins galéré que le premier coup où on est passé ? Ouais, mais je sais pas. Mais j'aime pas ton exercice. Et on met la 2. Alors, t'attends pas. Non, mais t'attends pas à avoir de la compassion de ma part. J'ai fait pas preuve de compassion. Moi. On va lâcher l'accélérateur. Non, bah, pourquoi pas? Pourquoi quelqu'un d'autre? On va freiner doucement. Lâche le frein et on repart. Non, non, on va tout droit. Ah, tout droit? À moins que tu voulais refaire. Si tu veux, on recommence. Non, 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 on reste non, à droite, non, non. Reste à droite. Ça ira. On ira à droite à la prochaine. Intérieur, extérieur, droite, clignotant. On va gérer notre arrêt au stop.
en freinant tout doucement. On prend l'embrayage à fond maintenant. On va venir s'arrêter en tournant légèrement et en freinant un peu plus. On met la une tout de suite et on redémarre. Allez, et on redémarre tranquillement. On lève l'embrayage au point de patinage, lâche le frein. Et on redémarre, lâche le frein et on redémarre. Voilà, super. On retourne tranquillement pour rester à droite et on raccélère. Allez, on accélère aujourd'hui et on met la 2. Et on accélère encore. Super. Ouais. On lâche la... Ouais. Ouais, du moment qu'on refait pas ça, c'est oui, super. C'est... Il y avait de l'idée, hein. Oui, quand même. S'il te plaît, ne me fais pas refaire ça. Je veux plus faire ça. Bah, je suis désolé, mais on le refera. Ah bah non, ah bah non. Peut-être pas tout de suite, mais on le refera, ça c'est sûr. C'est hors de question. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans la voiture, c'est moi qui décide. C'est pas drôle. Non, mais la vérité n'est pas toujours drôle. En tout cas, pas pour tout le monde. Mais du moment que c'est drôle pour moi, moi ça me va. La tête Kétia, c'est trop bon. Allez, on accélère. Non. Hop, on serre pas trop et on continue. Hop, et on continue tranquillement. Voilà. On repart tranquillement et on va raccélérer. Vraiment. Et remettre la troisième. Super. Ce qu'on va faire, on continue à accélérer. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant. Maintenant. Et on freine doucement. On freine tranquillement. Et en freinant, on va mettre la deuxième. On relâche tout doucement l'embrayage et on lâche le frein. Lâche le frein et on va à gauche. Voilà, on contourne le giratoire et on regarde où on va. Allez, on regarde où on va. Voilà, pas plus, pas à gauche. Et on va par là. Hop, allez, encore. Et on redresse. On va par là. Et on raccélère tranquillement. On raccélère. Voilà, super. On reste à droite et on ira à gauche. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant. On freine doucement. On freine encore un peu. Encore. Voilà. Et on y va. On raccélère tranquillement. Et on regarde où on va. Lâche l'accélérateur et on gère notre sortie. On continue. En raccélérant petit à petit. En raccélérant petit à petit. Allez, encore. Encore. On lâche l'accélérateur. Et on raccélère tranquillement. Si on peut continuer à raccélérer, on le fait. Allez, progressivement. Et de plus en plus. Et on met la troisième. On lâche l'accélérateur, ça va permettre à la voiture de ralentir et on raccélère légèrement en suivant notre trajectoire. Et on continue, on va tout droit au giratoire. Ok ? On va attendre la ligne droite, on va prendre la courbe là et dans la ligne droite, on freinera légèrement et on remettra la 2. On met la 2 tranquillement et on relâche l'embrayage. C'est pas la 2. Bien. On regarde devant. Elle a quand même regardé le levier de vitesse. Oui. Tout droit. Ouais, on va par là. Hop, et on reste vraiment à droite. Encore. Voilà. Et on raccélère progressivement. Voilà, pas trop non plus. Et on reste voie de droite. Et on continue notre trajectoire. Encore un peu, ça m'arrangerait. Et on redresse. Secours, il est cardiaque. On accélère. C'est pas vrai. Oh. Elle se dit, il va continuer à me chambrer. Il y a des chances. On lâche.
J'ai vu ça, on freine doucement. T'inquiète, moi je le suis pas. Et on continue tout droit. On reste voie de droite. Encore. Et on continue où on va. Et on reste à droite. Encore. Et on accélère tranquillement. On accélère encore. On lâche l'accélérateur. Lâche l'accélérateur. Et on continue. Et on va s'arrêter en douceur. Hop, je le fais avec toi. On reprend l'embrayage, on met la une. Prends l'embrayage, s'il te plaît. Voilà. Et on redémarre. C'est pas la une. Et on redémarre tranquillement. Allez, si on peut le faire maintenant, ce serait cool. Hop. On va à droite, gauche, on va prendre, tout droit. On reste voie droite et puis. Et on met la 2. Et si je dis rien, en fait, c'est tout droit. Mets la 2. Ah, la 2, j'avais compris, ouais. La 2. Bah oui, c'est ça, la 2. J'ai compris la. Oh, je sais plus. Oh. Ouais, c'est pas grave. Ça n'a pas grande importance. On accélère. Et on met la 3. On relâche. On accélère. On accélère encore. Encore ? Ouais. On garde l'allure, quoi. Ce qu'on va faire, on va freiner doucement. Et remettre tranquillement. Et on va tout droit. Ouais, c'est la bonne. Allez, lâche l'embrayage au pire. Mais arrête de le regarder. D'accord. Au pire, tu as le temps de rechanger de vitesse avant. Lâche l'accélérateur. Hop. Et on va rester voie de droite sans exagérer. Mais en le faisant quand même. Et on va par là. Voilà, ici. Encore. Encore, 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 encore. Et on accélère. Allez, si on peut envoyer. On essaye de dynamiser un peu. Si tu veux bien. S'il te plaît. Et on met la 2. La 3, pardon. La 3. La 3. Je lui ai dit la 2, ça l'a perturbé parce que c'était déjà la 2, c'est ça? Ouais. On accélère. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah bah des conneries, comme d'hab. Allez, on continue. Okay. Et ce qu'on va faire, on va freiner doucement. Freiner encore. Et remettre la deuxième. On relâche doucement. Et on va tout droit. On va rester voie de droite. Et on suit la camionnette blanche. Allez, si on peut accélérer en restant à droite, ça m'arrangerait. Voilà, et on réaccélère. Allez, vraiment. Et on va mettre la 3. On accélère vraiment. Vraiment, vraiment. Et ce qu'on va faire à la prochaine, on ira à droite. Ouais. Reste à droite. On va freiner doucement et remettre la 2. Maintenant, on relâche tout doucement. Et on va à droite. Allez, si on peut y aller. Reste à droite. Voilà, encore. 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 Et on redresse. Reste à droite, s'il te plaît. Secours. Je te charrie, on met la 3. Oula. On va freiner doucement et remettre la 2. Relâche l'embrayage et si on peut y aller, on y va. On va rester à droite et on va tout droit. On va freiner doucement et remettre la deuxième. Mets la deux tranquillement. T'es en deux. Insolente. Relâche. Je rigole. Reste à droite. Pas me contredire. Tac. Et on reste là. Allez, on accélère. Allez, on accélère encore, 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 encore. Allez, vraiment. Encore. Et on va mettre la 3.
Super. On va freiner doucement. Et on va mettre la 2. Et on repart. Voilà. On accélère. On ira à gauche. Lâcher l'accélérateur et gérer notre trajectoire. Lâche le frein et regarde où tu vas en accélérant légèrement. Allez, tourne encore un peu et on va sortir là. Encore et on accélère. Allez, si on peut accélérer encore. Et mettre la 3. On accélère tranquillement. On va freiner légèrement. Et on remet la 2. On relâche doucement. Et on repart. On reste voie droite, n'accélère pas trop et on sort. Allez. On accélère tranquillement. Allez, si on peut accélérer encore. Encore. Allez, on accélère encore et puis on va mettre la 3. Ok. On va freiner doucement. Et remettre la 2. Lâche l'embrayage et on repart. Lâche l'accélérateur. Et on va là-bas. Hop, encore. Encore. Pas plus. Hop, hop, hop. Ça y est, elle est plus avec moi. Je suis toujours là. C'est bon ? Oui. Hop. Ce qu'on va faire, à la prochaine, on ira à gauche. Intérieur, extérieur, clignotant. On reste là. On lâche l'accélérateur. On va freiner doucement. Et on va tourner à gauche. Hop. Tranquillement. Super. On va freiner, reprendre l'embrayage. Reprendre l'embrayage maintenant. L'embrayage. On met la 1. On va redémarrer en tournant tout à droite, comme on a fait tout à l'heure. Lâche le frein. Lève l'embrayage. Ouais, mets le clignotant. Je crois que c'est ce que tu voulais faire. Lève l'embrayage doucement. Et on tourne tout. Tourne tout. Tourne tout. On reprend l'embrayage et on redresse. Allez, redresse tes roues. Ouais, ça, c'est parce que tu regardes ton volant. Allez, tourne-toi à gauche. Tourne-toi à gauche. Et on va se garer. Allez, on avance doucement. C'est sûr que si j'avance pas le truc, ça marchera là, pas. Lâche le frein. Ah oui, c'est sûr que si j'enlève pas, ça marchera pas. On reprend l'embrayage. Et on redresse le volant. Regarde devant. Encore. Encore un tour. De volant. À droite. Et on reprend l'embrayage et on s'arrête en douceur. Point main et frein à main. Ok. Check. Alors, on va remplir tout ça. T'as ton livret ? Tu veux que j'attrape ? Non, c'est bon.
passe un stylo. Alors. Ah, la dernière fois. Bon, je sais plus, c'était... Le 9, je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, le 9. Chuchot. Et aujourd'hui, on est le 12. Oui, le 12. Oui, effectivement. Bon, c'était juste avant l'embauche, c'était 9h. 9h15, ouais, mais 9h10, c'est suffisant. Aujourd'hui, c'est l'heure de 11h. Ok, donc là, on est le 12 05 24. On a vu les demi-tours, c'est pas parfait, mais c'est bien. Le but, c'est de le faire bien, pas de le faire vite. Je te dirais, ne baisse pas les bras. Attention, ne baisse pas les bras. On s'en fout, t'y arrives, t'y arrives pas, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est d'y arriver petit à petit. Échouer, c'est commencer à réussir. Ça, vraiment, faut se le mettre en tête. Les gens qui réussissent, je veux dire, que ce soit dans le sport, en musique ou quoi, ils ont échoué. Ils ont appris à se casser la gueule et à pas lâcher l'affaire. C'est la persévérance qui fait qu'on y arrive de mieux en mieux. D'accord ? Ne baisse pas les bras. La prochaine fois, on se verra la marche en ligne droite. On va continuer ça petit à petit, c'est bien. On va s'en sortir. Faut pas désespérer. Hein. Là, je pense qu'on va rester en compétence une, encore 2, 3, 4 heures max. Et puis après, on va continuer sur la suite. Ok. Donc le G, on va mettre un trait. G. Et le I, on met un trait également. G et I. Diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant l'allure et trajectoire. Effectuer une marche arrière ou un demi-tour en sécurité. Ok. Oui. Voilà, voilà. Bah, je te redépose. Voilà, finito pipo. Ouais, c'est ça. Fini le demi-tour. Non, on en refait. Ah non. C'est moi qui décide. Hors de question. Que tu crois.